Bienvenue à tous sur boursicoté.com pour cette analyse technique du K40 en intraday. Donc aujourd'hui, eh bien, on est dans la poursuite hein, du mouvement haussier. Puisqu'après une phase de stabilisation donc hier hein, où on a eu très peu de mouvements, et où on a confirmé ici le support des 4471 points, eh bien nous avons une poursuite du mouvement haussier qui est en train de s'opérer euh, depuis ce matin. Alors lorsque l'on revient un petit peu sur cette phase, on voit bien ici qu'on était sur une certaine neutralité avec alternance ici de contact, bol supérieur, bol inférieur. Euh, le, point, euh, le point de déclenchement est venu de cette phase de hausse. Hein, on est venu ici déclencher une dynamique haussière ici avec un, un nouveau point haut significatif par rapport à ce qu'était le range précédemment, voilà, donc on voit bien ici la dynamique avec donc l'écartement des bandes de Bollinger, suite à cela nous avons donc un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on l'enfonce légèrement, mais on, on trouve ici un bon point d'entrée donc sur ce retour en moyenne mobile, et donc poursuite du mouvement, donc on a marqué un nouveau point haut significatif, donc pour ceux qui ont joué le setup de trading en tendance, et eh bien la position est maintenant protégée, alors tout cela se fait dans un contexte où, la dynamique demande encore à être confirmée. On a, du point de vue des indicateurs, pas une grosse dynamique. Vous voyez, le RSI ici n'est pas rentré en zone de surachat, seul le stochastique y est entré. On a une petite dynamique du point de vue du MACD. Donc, c'est une poursuite du mouvement, mais qui se fait avec une conviction moindre que ce qu'il a été auparavant, et notamment sur la dernière phase de hausse de mardi. Donc, nous avons ici un mouvement qui est bien parti, qui s'est stabilisé, qui tente de repartir en ce jeudi, mais qui... Euh, manque encore de jus ou en tout cas en ce début de, de séance. Donc ce qu'il faudra surveiller eh bien c'est justement une éventuelle poursuite de cette, de cette dynamique en direction de, proche, de prochains objectifs hein, donc qui sont quantifiables sur 4517 donc pour une zone intermédiaire et surtout 4578 voire 4596 sur le cash. En attendant eh bien je dirais que ce qu'il faudra surveiller aussi c'est des éventuelles zones d'invalidation. De cette de cette dynamique toujours la même ici une cassure des 4471 points et eh bien nous donnerait une, un signal donc de rupture et de sortie de cette de cette dynamique haussière alors attention je vous ai tracé ici une petite zone de support on a seulement deux points significatifs <laughs> on ne sait pas si ce support sera vraiment le support de la dynamique actuelle donc on, on ne prendra pas ici comme signal baissier une éventuelle rupture de ce support car nous avons tout simplement besoin d'un deuxième point euh, puissant pour définir réellement la dynamique. Telle qu'elle s'écrit qu euh, actuellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, on reste haussier tant que les 4471 ne sont pas cassés à la baisse. Euh, cet après-midi, nous aurons quelques statistiques pour égayer cette séance qui, malgré un bon début, reste assez peu volatile finalement. Et donc, c'est à 14h30 que nous aurons les commandes de biens durables côté États-Unis ainsi que euh, les chiffres du chômage américain. À 16h nous aurons la vente, les, les chiffres donc, du gaz naturel et euh, des chiffres de l'immobilier hein, concernant des ventes de euh, logements en attente. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette, euh, sur cette séance. Passez, euh, passez une bonne séance. Hein, donc. Bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com